suis auto-foutu la frousse. J'étais en train d'allumer ma caméra, je voyais qu'il n'y avait rien qui s'affichait sur le viewfinder. J'ai rallumé, j'ai éteint, j'ai enlevé la pile, j'ai remis la pile. Tout ça pour me rendre compte que j'avais mis le viewfinder à l'envers, donc j'avais juste le plastique noir comme écran. Voilà. Ce sera tout. Bonjour à tous et bienvenue sur le Jungion. Aujourd'hui, on se retrouve pour une palette. Ouh, je bave. Ça commence bien. Trois looks avec la Smoke Show de Colourpop. Alors, ça va être trois looks festifs puisque nous sommes normalement en décembre au moment où je vais vous filmer ça. Enfin, je... Non. À l'heure qu'il est, nous sommes le 27 novembre dans le craze du Black Friday. Mais... J'ai sorti ceci, comme c'est une des palettes que vous vouliez voir. Et nous allons faire donc trois looks avec. J'ai sorti quelques petits trucs pour agrémenter les looks. Il faut que ce soit pas que noir. Bien sûr, c'est optionnel. Vous faites ce que vous voulez. C'est pour vous donner des idées un petit peu comment utiliser les noirs, les gris, les blancs. Et vous n'avez pas besoin d'acheter de nouveaux trucs. Mais si ça vous tente, je mettrai tout dans la barre d'infos. J'en profite aussi pour remercier et dédicacer cette vidéo à Sophie, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément Sophie d'ensoleiller mes journées, mes nuits et de supporter la chaîne comme tu le fais. Donc merci énormément. Encore une fois, je répète, mais je pense que vous avez compris parce que je ne reçois pas vraiment d'insultes à ce sujet, mais ça n'est pas obligatoire. Vous pouvez rester là et apprécier le contenu non sponsorisé. Peu de pubs, une au début, une à la fin. Et juste profiter des vidéos tous les jours. Si après tu es content et tu as envie d'aider quelqu'un qui fait des vidéos tous les jours, libre à toi de cliquer sur ce petit i. Et pour rejoindre la famille sur Patreon, c'est que du bonus. C'est-à-dire on a Instagram privé, on a des lives, on a des consultations, on a... des first pick quand je fais un déclutter, des concours et des trucs comme ça. Donc si ça te dit, c'est là-bas. Sinon, bah, enjoy, abonne-toi, like cette vidéo. Et si tu aimes toujours les tutos, s'il te plaît, manifeste-toi. Voilà, passons à la roue de make-up. Si tu veux savoir où j'ai pris mon chandail, je vais mettre la barre d'infos aussi. Attention, c'est parti. Spin the wheel. Ne demandez pas de faire un look naturel avec du noir, ce sera pas possible. Oh ben ça tombe bien. Smoke Show, Smoky Eye. C'est parti. Je vous approche un petit... Alors, je prends ma P-Louise. Une P-Louise, ça se finit pas, hein, je peux vous le dire. Je l'utilise quasiment tous les jours. Et elle est encore là. Je pense que ce pinceau de Sephora est le meilleur pour appliquer la P-Louise. Je vais le garder de côté juste pour ça, je pense. Je vais commencer par la couleur Stone Face, qui est ce gris pâle. Et je vais le mettre comme couleur de transition. En général, les gris, c'est pas trop les couleurs vers lesquelles je... Enfin, si, je veux me tourner vers ces couleurs-là parce que j'ai envie de travailler toutes les couleurs, mais... Ma peau a des sous-tons gris et du coup ça fait ressortir tous mes sous-tons gris. Du coup quand je fais des trucs gris, j'essaye de chauffer un peu plus ma peau, mais on va voir. Ok, ensuite je pense que je vais prendre la couleur Smokini et la mettre sur la majorité de ma paupière mobile avec ce pinceau de Tarte. J'essaye sans eau pour commencer. Ouh! C'est beau. Je vais prendre ce pinceau de Zoeva, le 228. Et je vais, je pense, smoker avec la couleur Let's Do It, qui est le noir. Ça a l'air d'être noir. Est-ce que je devrais faire mon crease avant? Je vais peut-être faire mon crease avec... Ouais, je vais faire mon crease, mon crease avec Slated. Juste, on va y aller par étapes, ok. Peut-être j'aurais même pas besoin du noir aujourd'hui. Je vais reprendre la couleur Smokini et je vais un petit peu la mouiller pour voir si ça va y avoir un peu plus d'intensité. J'ai l'impression qu'il y a un petit gloss, mais j'ai envie d'avoir un petit peu plus sur les paupières.
Et chose que je ne fais jamais, je pense que je vais prendre un blanc et le mettre dans mon coin interne. Je vais essayer. Je sais pas ce que ça vaut ce blanc, mais on va lui donner une chance. Je prends un pinceau à angle. Ça va être plus facile, je pense, pour mettre... J'effleure à peine. Moi qui n'aime pas les blancs d'habitude parce que j'arrive pas à trouver genre une texture différente, genre un peu crème. Celui-ci est vraiment bien. Je suis agréablement surprise. Je vais faire mon teint. Je reviens pour la suite des événements à Tachyon. Alors, j'ai fait mon bronzer. Tellement j'ai fait mon bronzer que mes cheveux ils ont fait comme... je vais mettre... Je vais finir mes yeux avec vous. Anne-Marie m'a envoyé un kit de mini glitter eyeliner de Lise Wattier. Et quoi de mieux que des mini eyeliner... Oh, des mini paillettes à mettre sur les yeux. Alors, je vais en mettre ici. C'est une grande première. J'ai du mascara ici. Je vais attendre que ça sèche pour l'enlever. Je ne félicite personne. Ok. Je vais prendre ce highlighter de Catrice, de 3D Glow. Oh non, il a encore son étiquette. Ok. Couleur Pinch of Rose. Comme ceci. Il est magnifique. Je vais prendre mon petit pinceau de essence. Alors, étant donné qu'il est rose, je vais peut-être le mettre plus bas que je l'aurais mis d'habitude. Il est magnifique. Ensuite, je vais prendre un blush. Je vais prendre celui-ci, Court of Miracle de Colourpop, qui est rose. Il y a un petit miroir dessus. Cathy Quicken, numéro 2. Ouh, c'est rose longtemps ça. C'est beau avec ce make-up, je trouve, non? Comme rouge à lèvres. J'ai le choix entre un orange. Et... Je pense pas que je vais mettre l'orange, ok? Et un gloss. Je vais prendre le gloss, l'ultra gloss lip qui s'appelle Wellnessed. C'est un espèce de rose avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Est-ce que vous aimez ce look? Oui, non. Si vous l'aimez pas, il y en a un autre après. Attention, c'est parti. Hey! Alors, bonne nouvelle. Le mat blanc du fard à paupières n'a pas bougé du tout de la journée. Donc, je suis super contente. Il tient très très bien. Les paillettes n'ont pas bougé non plus. Encore une autre bonne nouvelle. Nous allons nous attaquer au prochain look de la palette. Je me sens obligée de toujours répéter c'est quoi la palette, mais non, finalement, parce que... Non, c'est... Vous êtes là déjà depuis... pas combien de temps. Ok. On a fait paillettes hier, c'est pas grave. C'est les fêtes, on peut faire encore des paillettes. Ok, j'ai une idée. J'ai une idée, ok. On va un petit peu sortir de la zone... de la palette complètement, mais vous allez comprendre. Ok, vous approchez un peu. Pour le coup aujourd'hui je pense que je vais ajouter aussi un petit beige sur ma paupière pour pas que ce soit trop blanc en haut. Je vais prendre un pinceau de Tarte et la couleur je vais prendre la couleur Ignite, qui est un sequin shadow, c'est à dire fard à paupières avec un petit peu de paillettes à l'intérieur. J'ai appris récemment qu'on pouvait appliquer ces fards à paupières aux doigts pour que les petites paillettes restent. On fera un test un jour, mais pas tout de suite. Parce que comme ça, les paillettes restent quand on tapote. Mais quand on estompe, ça s'en va. En même temps, si j'arrive à faire fonctionner ce genre de fard... je serais contente, il y en a tellement dans les palettes de Colourpop. Bah tellement, au moins un dans chaque palette.
la couleur Night Dream, qui est finalement un sequin shadow. Donc on va essayer au doigt pour voir si ça fonctionne. Sur toute la paupière. Ah! Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit en termes de paillettes. Ah, on voit les paillettes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Si, je vais vous dire demain si c'est resté ou pas, mais comme je vais ajouter un petit fard par-dessus, je sais pas si ça va être optimal, mais pour vous dire. Mais somme toute, c'est une bonne chose. Je vais prendre ce petit pinceau de MAC, le 221, et je prends le mat noir. Let's do it. And let's do it. So far, so good. C'est pas fait. Je vais tricher, mais vous pouvez vous arrêter là et mettre des paillettes où vous voulez. J'avais juste envie d'essayer ce vert de Ciaté. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui vouliez le voir. C'est une espèce de pigment qui s'appelle Twisted. Et comme il est noir vert, je voulais le mettre sur ma paupière. Je vais essayer avec ce pinceau, le E1 je crois ça s'appelle, E3 de Colourpop. Je vais pas le mouiller hein, au début. Je sais pas si c'est le meilleur pinceau encore une fois. C'est trop beau. Je peux savoir pourquoi personne n'a jamais parlé de ces produits. Je reviens dans un tout petit instant. Je vais faire mon teint. Attention. Fausse alerte, fausse alerte. Je voulais faire un essai avant. J'ai ce eyeliner de LS Blush qui s'appelle Grindy Glow. Et je voulais le mettre au centre de ma paupière. Je voulais voir si ça marche. Si ça marche pas, je vais le recouvrir. Mais je me dis, ça fait faire. C'est ça les paillettes. Ça marche. J'ai pas de vétiline, forcément. J'ai mis un peu de crayon noir dans ma muqueuse que j'ai estompé avec le fard noir. Donc je me suis dit, c'était assez simple, c'est pas besoin. Vous avez pas besoin de moi pour ça. Je vais prendre un pinceau de Sephora et je vais prendre la couleur. Qu'est-ce que je prends? Starstruck qui est au milieu et je vais mettre ça dans mon coin interne. I'm struck. Je vais prendre un blush que j'ai jamais mis avant de Colourpop qui s'appelle So Retrograde. Il est un peu orangé et lumineux. Et je vais prendre un pinceau, ça va aider. Ouh, c'est orange. J'aime. En ce qui concerne le liner, j'ai l'impression qu'il sépare un petit peu la matière. Ça se voit pas tellement. Et du coup, il reste en bas. Je vais rajouter un peu de Ciaté. Parce qu'il mérite un petit peu son... Il mérite un petit peu plus d'amour. Ce liner est bien. Je dirais peut-être pas pour appliquer, je sais pas, peut-être que je le fais mal ou quoi. Mais en liner pour faire un liner pour vrai, je sais qu'ils sont très bien. Ce highlighter de la marque Colourpop, vous l'aurez deviné, c'est celui de Cinderella. Il s'appelle Horse and Carriage. Horse and Carriage. Apparemment il est hyper 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 lumineux. Genre voire blanc. Donc je ne veux pas en mettre trop parce que je veux pas que ça fasse du gris. C'est beau. Je m'attendais à genre un blanc silver mais non. Piouf. Superbe. Il est beaucoup moins métallique que ce que je m'attendais. Donc ça va, je suis contente. Ensuite, suite et fin. Alors là, I'm quite in a pickle. J'ai un gloss or ou un rouge à lèvres orange.
C'est pas moche, mais je veux quand même que le focus soit sur les yeux, donc je vais pas mettre ça. The Enchanted Watt qui est dans mon project fan du mois. Je mets énormément. Ben mieux. Je vais mettre un petit gloss par-dessus. Je vais donner... Je vais mettre ce gloss de MAC aussi. Est-ce que vous avez aimé ce look? Oui, non. Est-ce que vous avez préféré celui d'avant? Dites-le moi dans les commentaires. Mais attention, il en reste encore un et demi. Parce qu'il y en a un que je pense faire en live. Mais au moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera déjà trop tard. Attention! Hey! J'ai mis les paillettes. Je voulais essayer. Et j'aime bien. Donc je vais laisser ça comme ça, je pense. Jusqu'à ce que je me tanne. C'est normal. Nous allons faire le troisième look. Attention! Je vais demander à mon téléphone. Alors, hors caméra, pendant un live avec Patreon, on a fait un cut cuisse avec paillettes. Donc, cut cuisse, paillettes, ça ne fonctionne plus. Il va falloir trouver autre chose, les gars. Autre chose. J'espérais secrètement que ce soit ça. Je vous approche un petit peu. Je n'ai pas les cheveux sales pour une fois. J'ai les cheveux mouillés. Parce que, pourquoi? Parce que je suis une femme propre, je les ai lavés aujourd'hui. Je voudrais vous dire aussi que je viens de regarder le documentaire sur Netflix qui s'appelle Broken, sur les cosmétiques de contrefaçon qui viennent de la Chine, tout ça, pas très legit là. Et ça fait peur les gars. Je sais que parmi d'entre vous, pas mal de personnes en avaient déjà parlé. Mais je viens juste de le voir, donc c'était juste pour transmettre l'information. Le documentaire est génial. Je vous le conseille. Je vais prendre... On pourrait faire un halo eye en plus. Non, le halo eye avec les strass. Je vais prendre la couleur stone faced et la mettre comme transition. On va commencer comme ça. Ok. Ensuite, je vais prendre la couleur Slated et je vais la mettre dans mon cuisse, mais mon cuisse rapproché. Je prends ce pinceau de Makeup Geek, le Defined Crease Brush. Donc Slated, qui est celui-ci. Je vais prendre ce pinceau de Moda Brushes. C'est très risqué, mais je vais l'essayer quand même. Et je vais prendre la couleur Night Dream, qui est celui qui est Sequins. Je vais faire ce que j'avais dit que j'allais pas faire, un cut cuisse avec le concealer de Colourpop, le No Filter Concealer Light 10. Je reviens dans un tout petit instant parce que ça va me prendre. Alors, je vais prendre un pinceau de MAC, le 239, et je vais prendre la couleur blanche, matte. Je vais voir ce que ça donne. C'est quand même un peu patchy, mais bon, ça dépend aussi de la base que j'ai mis à l'intérieur. J'ai peut-être pas bien. Je l'ai pas bien mise, peut-être. Je pourrais peut-être mettre un... Je vois pas clair. Ok. Je pense que j'ai inversé mes deux lentilles. Je pourrais mettre un eyeliner peut-être. Pour essayer de couvrir un peu le patchiness. Mais je pense que là c'est juste... C'est mon erreur. Ouais, cet oeil là est mieux. Lui j'aurais dû estomper un petit peu le... Le concealer en bas en fait. Mais... Écoutez. Je vais mettre mes paillettes, je fais mon teint, je reviens. C'est tellement beau ces strass, mon dieu. Encore une fois AliExpress, merci. Merci Ali. Pour ça c'est cool, vraiment. Donc j'ai juste mis du mascara après, j'ai fait mon bronzer, mon highlighter. Et j'ai un nouveau blush à tester avec vous. C'est le Andalasia de Colourpop. Qui est comme suit. Ah, c'est un blush ou c'est un highlighter du coup?
Highlighter. Bon, j'ai pas mis de blush. Super cool. Attendez, je vais mettre un blush. Vite fait, vite fait. Put. Et je peux mettre mon highlighter par-dessus parce que c'était un highlighter crème en dessous. Celui de Becca que j'adore. Tout sera listé dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Anyways. Je vois rien du tout. C'est toute floute ma tête. Parce que j'ai le soleil qui me vient dans la figure. Plus j'ai inversé mes verres de contact. Pas une bonne. Pas un bon combo. Ok, highlighter. Je prends ce pinceau de Colourpop, le F5. Et Andalasia. Satisfait, hein? Ouh, c'est rose. C'est foncé, hein. Ouh là là, non. En bas. Les lèvres, ouh là. Est-ce que je... Ah non, je voulais finir mon coin interne. Attendez, attendez. Je prends ce pinceau de AOA, le E132. Et je vais prendre le argenté qui s'appelle Starstruck au milieu. Je l'ai déjà pris plus tôt, mais... Je ne m'en lasse pas. Qui bizarrement sera le seul shimmery de ce look. Pour mes lèvres, j'ai un gloss or. Je sais pas ce que ça donne, on va l'essayer voir. C'est pas très beau. Attendez, je reviens. J'ai trouvé ce lipstick qui s'appelle Chalker. Je pourrais faire un mélange des deux. Et ben je vais prendre le gloss, je vais le mettre par-dessus pour voir ce que ça va donner. Oui, mais tout seul, ça serait peut-être pas le bon, un bon gloss, je sais. Ou peut-être sur un rouge à lèvres mat, peut-être, peut-être. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais pas à l'aimer autant. Je m'attendais pas à être aussi inspirée par des couleurs qui sont juste 50 Shades of Grey. J'ai bien aimé. J'aurais peut-être changé une de ces deux couleurs, qui est un noir pailleté et un noir, par quelque chose d'autre. Un des deux. Peut-être un... Je sais pas. Peut-être une autre couleur shimmery, peut-être, ou... Peut-être une couleur de highlight plus blanche, mais... irisé, ça aurait été cool aussi. Mais j'ai bien aimé l'ajout du blanc, je trouve que c'est un bon blanc et les trois autres couleurs sont tout est fantastique, tout marche super bien. Je suis agréablement surprise d'avoir pu réaliser des looks, mais que ça a été facile de faire parce que on s'entend que le noir et le blanc c'est pas des choses faciles à utiliser et là franchement j'ai vraiment pas eu de mal, donc je donne un 9,5/10. Pour cette palette, elle est vraiment très cool. Je vous la recommande si vous aimez les looks pas monochrome mais dégradés, très smoky. C'est une très cool palette. Je l'aime bien. Voilà, c'était mon verdict là-dessus. Dites-moi quel look vous avez préféré et est-ce que vous songez à vous procurer cette palette. Je suis sûre que vous avez déjà ce qu'il y a dedans chez vous. De toute façon, si vous l'avez, je vous invite à vous inspirer des looks pour créer les vôtres. Vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter cette palette, c'est pas des fards à paupières qui sont jamais vus uniques dans le monde, donc kika. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous a plu, si oui, mettez un thumbs up, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse mon visage ici, si ça tente de t'abonner, tu peux, c'est gratuit, ça fait pas de mal. Je vous laisse la vidéo d'hier là, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez encore le faire. Et je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain, ainsi que tous les jours. Seras-tu là? Mommy, bye! Je te tique!